Salut tout le monde, bienvenue sur Dog Odyssey, je suis super content de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo. Ça se fait dans un cadre assez magique. Je suis parti en randonnée en fait avec ma petite meute, mes trois louloutes, sur les bords de la Berbenois. Là si on prend à droite, vous voyez, derrière ces fourrés là, on a des champs. Et puis là, oh magie, on arrive sur les bords de la Berre. Voilà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la Berre, c'est la mer qui rentre dans la terre tout simplement, chez moi dans le Finistère. Autant vous dire que là, les louloutes, c'est le pied pour elles. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet, les chiens de travail. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le chien de travail, c'est tout simplement un chien qui, de par ses parents, va avoir des aptitudes particulières, puisque ce sont des chiens qui, très jeunes, sur plusieurs lignées, sont conditionnés à effectuer des tâches bien précises. Ce sont généralement des chiens qui sont utilisés en gendarmerie, en chien d'intervention, ça peut être aussi en chien guide, bref, toutes les fonctionnalités que le chien peut endosser. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on fait l'acquisition d'un chien de travail, ça veut dire qu'on fait l'acquisition d'un chien qui est issu d'une lignée qui a déjà des prédispositions à effectuer certaines tâches. Et lorsqu'on n'est pas attentif à leur fournir suffisamment de travail, vous vous doutez bien que le chien, lui, il va s'en trouver des missions et il va s'en trouver du travail. C'est exactement ce qui s'est passé pour Mia, et quand sa propriétaire m'a contacté, elle commençait à avoir des sérieux soucis de gestion de la chaîne, parce que en l'absence de consignes, le chien va se référer à son instinct, et l'instinct de protection par exemple est relativement développé chez elle. Elle a développé une hyper protection de sa propriétaire, et de ce fait au quotidien ça devenait vraiment compliqué pour Valérie. Voilà pourquoi je suis intervenu chez elle. Ce qui peut passer pour de l'agressivité ou de la réactivité, parfois quand on ne connaît pas bien les chiens, ça peut être tout simplement ce qu'on appelle la frustration, c'est-à-dire des chiens qui ne sont pas employés comme ils le devraient, et qui surtout ne savent pas comment faire face à certaines situations, parce qu'ils y sont ni habitués ni conditionnés. Voilà. Donc sur les images que vous allez voir, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pointé la propriétaire de Mia, avec un costume, une perruque, une odeur particulière, j'ai masqué mes odeurs, et puis un vêtement inhabituel pour pouvoir surprendre la chaîne suffisamment et puis voir effectivement de quoi elle est capable dans un contexte un petit peu anxiogène. Voilà, voilà. Donc, je vous rassure, les amis, les cheveux frisés, c'est pas bon. Bon, madame, relevez du gaz. Ah. Oh, là. Je vais être obligé de rentrer, madame. Hein. Ouais. J'ai relevé le gaz. Viens ici. Assise là. Mia. Couchez. Tais-toi. C'est votre chien. Tais-toi. Tu t'étais. Tais-toi. Ça suffit. Elle a l'air méchante, hein. Ouais, très. Bon, je voulais la surprendre. C'est fait. Au moins, voilà. Ce que je veux, c'est voir exactement jusqu'où elle est capable d'aller. Ça va, hein. Mimi, viens ma poupée. Mia. Non. Ça, c'est non. Non. Viens là, laissez-la faire, laissez-la faire. Viens ici, Mimi, viens là. C'est quoi ça? Non, ça c'est pas bon. Ah, ça me plaît pas mal. Bonjour madame. Bonjour. Les mouches. Ça me va bien. Allez, Mia.
Là, comme elle monte un petit peu en pression, en fait, elle s'occupe. Hein. Ouais. Donc ça, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Allez, reste là. Moi, ce que je veux, c'est que dans le comportement, elle sache exactement ce qu'elle a à faire. Ça, ça me plaît bien. Ok. Tu restes. Bonjour, bonjour. Bonjour, entrez. Tu restes. Oh, qu'il est gentil, votre chien, il a l'air bien dressé, dites donc. Il est dressé, oui. Tout à fait. Je peux vous suivre en confiance, madame, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, je vous suis, madame. Allez, on y va. Non, Mia, Mia, baisse. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Et les gestes barrières? Les gestes barrières. Et commencez pas parce que je me casse. Hein. D'accord? Moi je suis pas à me faire mordre, mais. C'est bien Mia. C'est bien ma fifi. Voilà. Voilà. Très très bien. On va là. Moi, elle me fait peur, hein. Donc, comme j'ai peur des chiens, je veux pas qu'elle bouge son panier parce que je suis pas là pour me faire croquer, hein. Pour 1300 boules par mois, non, non. Mm. Voilà. Ça, ça me plaît déjà beaucoup mieux. Ok. On se met à la cuisine. Elle doit pas venir, hein. Pas bouger. Voilà. Vous contrôlez la situation. La situation, elle est verrouillée. Pas bouger. Elle a pas à prendre l'initiative. Allez-y. Merci. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, va te coucher dans ta caisse. Bon, Valérie. Pourquoi vous avez ce ton-là? Elle a rien fait de mal. Elle nous a suivis. Pour l'instant, je n'ai pas dit qu'elle pouvait sortir de la caisse. Mais elle a fait de mal. Est-ce qu'elle m'a mordu? Non, mais c'est moi la chef. D'accord. J'ai pas envie qu'elle m'embête. Alors, qu'est-ce qui fait que votre ton, il monte aussi haut par rapport à la réaction de la chaîne? Parce que je lui dis pas bouger. D'accord. Et le fait que vous montiez le ton, donc, qu'est-ce qu'on lui donne? Ben, on lui donne crescendo, en fait, une échelle. L'agressivité. Ok. Donc, c'est pas bon, on recommence. Tu peux. Attendez, je regarde si elle est méchante. Non. Bonjour madame. Non, bonjour. C'est l'électricien. Bonjour, entrez. Non. Dépêche-toi. Va. Non. Qu'est-ce que j'ai dit? Va te coucher. Allez. Voilà, ça s'impose déjà plus. Va te coucher. Mia, Mia, qu'est-ce que j'ai dit? Et le mot magique? Chut, coucher. Le mot magique? Tais-toi. Chut. Calme. C'est un copain? Un mot magique? C'est copain. Super. C'est hop, Jojo. Terminé, c'est ça Jojo. Y est. Voilà. Allez, c'est bien. Non, 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 non. C'est pas une raison pour sortir. Allez, hop, tu rentres. Non, non, Mia. Non. Non. Non, non. Dans ta caisse maintenant. Allez. Voilà. Voilà, ça me plaît mieux. Allez. Allez. Bon, bah, couche-toi là. Si t'as chaud. Voilà. Et maintenant, vous vous occupez de l'ouvrier. Bon, alors. Vous êtes plombier? C'est ça. Plombier? Bon. Alors, dans la cuisine. Allez, on va passer dans la cuisine. Mia, t'as besoin? Non, non, j'ai pas besoin de toi. Allez, va-t'en. Voilà, tu te couches là. Voilà. Donc c'est elle qui décide où elle se couche? Bah c'est sa place en règle générale. D'accord. Voilà, elle vient là. Ok, bah pour l'instant ça va être son panier, que son panier. Que son panier. Ton panier. Que son panier. Même si tu as chaud dans ton panier. On s'en fout. On s'en fiche. Allez, couche. C'est juste en fait pour la conditionner à la venue de quelqu'un. Allez, allez. C'est son endroit, c'est là que vous lui avez défini son endroit où elle s'apaise, où elle a terminé sa petite mission de déclaration. Tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est bien Mia, c'est bien ton panier. Très très bien. Et là maintenant on peut aller discuter. Allez. Hop. Mia, tu restes? Tu restes dans ton panier. Voilà. Allez, 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 couchez là. Allez, t'es gentil. Allez, gentil. Et maintenant elle va tenir sa consigne. Voilà. Parfait. Ok. Tu veux un café? Non, j'ai trop peur. Ah non, maintenant elle va pas bouger, c'est bon. Ah, ça me plaît bien ça. Voilà. Vous voyez la différence? Et là, elle est obligée de rester sur sa consigne. C'est bien, Mia. C'est bien à ta place. Très, très copain. Gendarmerie nationale, je viens pour une enquête de voisinage. Pas bouger. Je vais fermer la porte. Mais je vous en prie. Je vous en prie. L'uniforme, en règle générale, elle aime pas trop. Mais bon. D'accord. Bon. Vous me rassurez pas, madame, là.
Non, ça va, vous êtes des rangers. Bon, ça va. C'est bon. C'est par là le problème ? Oui, allez-y. D'accord. Non, Mia. Copain. Copain. Et tout de suite, elle va où ? Dans ta caisse, Mia. Allez, dans ta caisse. Dans ta caisse, tu restes. Tu restes dans ta caisse. Couché. Allez, tu restes. Voilà. Allons-y. Voilà, 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 voilà. Et donc, patati, reste, et patata, et patati, et patata. J'ai plein de poils dans la maison. C'est cool, la mue. Il fallait prendre un caniche. Ouais. Ouais, c'est sûr que bon. C'est très bien, Mia. C'est bien, ma poupée. Et là, c'est vous qui levez l'interdiction. Allez, hein. Tu viens maintenant. Allez. C'est bien, ma biche. Dis bonjour. Viens me voir. Viens, Mimi. Après, bien fort. Le réconfort. Voilà. Donc, boudin de déconditionnement. C'est bien, Mimi. C'est bien, ma fille. Oh là là. On va aller jouer ? Ouais, on va aller jouer. C'est bien. Très, très bien. Allez. Allez, ma fille. Voilà. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, le boudin, les motivations, ça n'a rien à voir. Hein. C'est vraiment un jeu d'interaction pour eux. Vous voyez ? Elle prend plaisir à faire ça. Et elle décharge l'énergie en trop sur le boudin. Et non pas dans l'agressivité, comme souvent on pourrait croire. Voilà. Mia, stop. Lâche. Excellent, très bien, pas bouger. Aïe, tac. Ouais, c'est bien ça, ma fifi. C'est bien ça, ma beauté. Aïe, encore, 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 encore. Très bien ça, ma fifi. Lâche. Excellent. Excellent, Mia. Tu laisses. Allez, go. Parfait ça, ma pupus. Très très bien. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. C'est bien, Mia. Très très bien, ma belle. Their voices went clean through the sky.